Steve, l'OM a été costaud ce soir parce qu'après le but, les Marseillais ont reculé. Oui, aujourd'hui on a marqué assez rapidement sur coup de pied arrêté. Après derrière, on a fait, on va dire, presque que défendre. Mais on a bien défendu, on n'a pas pris de but et puis on gagne ce match-là. Il y a des soirs compliqués comme on l'a eu aujourd'hui. Et dans ce genre de rencontres, il faut savoir gagner les matchs et c'est ce qu'on a fait, donc c'est bien. Tu as été décisif à de nombreuses reprises. Comment tu expliques que l'OM est quasiment arrêté de jouer alors que l'entame de match était parfaite avec un but très tôt? C'est compliqué à expliquer, mais voilà, on aura le temps, je pense, dans la semaine d'analyser un peu. C'est sûr qu'on n'a pas, réussi à poser le ballon, à redoubler les passes. On a eu en face aussi une équipe qui nous a beaucoup pressé, qui mettait énormément d'engagement. Et c'est sûr qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait pour se sortir de tout ça. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, on va se contenter de la victoire et puis on corrigera dans la semaine les autres, tout ce qui n'a pas été. L'OM n'a plus perdu depuis la défaite contre Rennes en championnat. Il y a du progrès, tu as l'impression que vous faites plus peur aux adversaires? Faire peur, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que on enchaîne les bons résultats. On aurait peut-être pu avoir 2 points ou 3 points de plus, mais bon, on va dire, on a accroché le bon wagon et il faut continuer.